Bon, en gros, deux mecs ont découvert le corps d'une jeune fille de 16 ans morte. Selon eux, d'un rituel, hein, clairement. Mais l'angoisse. Ah, c'est déjà à nous. Bah, j'étais pas pressée, hein, je vous le dis. You are late. Bon, bah d'accord, on y va alors. Y a quelqu'un là? Oh, c'est le mec de Phasmo, je reconnais. Attendez. Mais c'est 100% les mecs de Phasmo, hein. Je reconnais, hein. Je reconnais. Bonjour. Oh, on m'attend. C'est pour là, la Ouija. We are pleased to assist you to communicate with your loved one. Ta gueule. Merci beaucoup, Lutica, pour l'abonnement offert à Gaïa. C'est gentil. Merci beaucoup. Mais quitte... Ah, j'ai pas le temps de lire. Let's start now. Bon, il va falloir choper la planchette dans les bathrooms. Enfin, dans les toilettes. La salle de bain. D'accord. Bon, bah, j'y vais. La petite planchette, on va pas examiner ça. Oh, putain, ça commence. Mais t'es qui, toi? Tu vas pas me faire croire que 10 ans plus tard, il y a encore le sang sur le sol. Hi, Jason. I'm Lynn from the Paranormal Club. Donc nous, on a vécu une tragédie. Nous, on a vécu une tragédie. On était quoi, en fait? Le frère de la fille, là, qui s'est fait buter? Oh non. Oh non. Allez. Vous entendez comme moi? C'est quoi cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ta gueule! Ah mais ça sent la douille de ouf! Merci beaucoup Adri pour ton abonnement. C'est qui? Continue ce que tu fais, t'es top. Merci beaucoup Adri, c'est gentil. Merci infiniment. Ça me colle des frissons, cette merde. Ah mais... Mais le sang, c'est normal dans cette maison-là? Personne n'a pensé à nettoyer, on fait rien sinon? Oh non, je vais rallumer. Oh là là, moi je descends. Je descends. J'ai la goutte. La planchette, débrouillez-vous. J'ai pas la planchette, hein, démerdez-vous. Mais attends, on peut pas se diviser le boulot, genre il y en a un qui va chercher la planchette, l'autre la goutte. Parce que là, c'est bon, hein. Oh là là. Mmh. Eh, quelle bonne ambiance, hein. Allez, hop. On y va. Joyeux Noël. Oh là là. Est-ce qu'il y a un esprit? Ah, ça commence direct. Est-ce qu'il y a une victime ici? Vu tout le sang, je pense que oui. Soit il y a un hémophile dans la pièce, soit... il s'est passé un drame. Hein. Ah, il y a des rumeurs comme quoi votre mère vous aurait forcé à vous suicider. Est-ce que c'est vrai? Oh! Oh.
Ah bah comme ça c'est fait. Ah bah comme ça là. Ah bah là on est passé dans l'autre monde. Non mais bon bah, si vous êtes à... Bon. Eh bien, je pense que ça va pas bien se passer. Je dis ça, je dis rien. Je pense que c'est très mal barré. Hein. Super, j'ai pris un briquet. Oh là là! Ouais, d'accord, pick up the can. Ah. It's mom still angry. Pourquoi est-ce que... Attends. Is mom still angry with me? She's fine. She looks sad and... But dad is still with us. I know it. Ouais, la mère, elle est pas très bien. Mais maman, elle a dit que ça allait. Oula. Par contre, je trouve qu'il y a beaucoup de... Pas d'électricité. Bah, je me serais doutée. J'aime pas le fait qu'on ait de la stamina. Alors, par contre, tu vas pas me prendre pour un petit lapin de 3 semaines? Ok, donc là, on a un code à taper. Oh là là! Ta gueule. What? Ta gueule. Qu'est-ce que c'est ça? Use. D'accord, mais pourquoi? On va voir après. Ça sent la grosse douille. Hein. S'il y a quelqu'un, manifestez-vous maintenant. Hein. Il y a un marteau, prends le marteau. Comment j'aime pas cette ambiance. Oh là là. Je n'aime pas cette ambiance. Justement, je me demande si je peux pas. Ah! Lighter which can be used to light. Bah d'accord, mais. Combine. Avec le briquet? Ah bah voilà! Ça change tout le gameplay d'un coup, hein, vous trouvez pas? Mais je dois aller où? Non mais le jeu de l'angoisse. Qu'est-ce que je dois faire? Use. Attendez, il y a forcément un truc. Hein. La porte est fermée. Mais même là, pour moi, il y a un truc aussi. Porte est fermée. Qu'est-ce que je pourrais faire?
J'avoue que la bougie, elle marche mieux qu'une flashlight. Qu'est-ce que je pourrais faire selon vous? Allumer le bidon? Je pense que j'ai des bails à allumer, là. J'ai des trucs à démarrer ou des... Non? J'aurais dit que l'électricité, elle est foutue. Mais Ah, j'avais pas vu ma bougie, elle se consume au fur et à mesure, c'est stylé. Mais attendez, je comprends pas. Parce qu'il y a une grille d'aération, mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça, use. Attends, si je fais combine. Non? Je comprends pas. Vous avez une idée? Use, je comprends pas en fait ce que je use. C'est comme là. Je suis sûre que je peux bouger ce truc là. Vous avez une idée ou pas? Il y avait une barre, un truc dans la cuisine. Ah ouais? Attendez. Peut-être un truc que j'ai pas vu, hein. Vraiment une bonne ambiance hein, dans cette cuisine. Ça donne envie de... Ah! Un dessin. Alors ça va peut-être activer la suite du scénario, hein. Là, il y a une barre chelou, là. Je sais pas ce que ça veut dire. Bon, j'ai déjà un morceau de papier. On va se prendre un truc, les gars. Donc là, Hello? Petit bout de papier. Et là, il nous faut l'autre bout de papier, c'est ça? Si j'ai bien compris le bail. Il est où, l'autre bout de papier? Pardon pour les gros mots. Oh. Elle m'a fait trop peur. Je déteste. Des bails comme ça. Je déteste les bails comme ça, les gars. La porte, je galère à l'ouvrir, hein, sachez-le. Oh là là, les gars, je suis stressée. Je vais encore me faire courser, hein. Je vais encore me faire courser. Comment ça m'a fait flipper.
gueule. Merci beaucoup, Bouboule, pour l'abonnement offert à Fantani, pardon. Je m'en doutais. Je suis grave stressée. Je parle plus d'un coup et tout, mais c'est parce que je suis trop stressée. Joyeux anniversaire, Martin. Joyeux anniversaire. 1998-05-23. Vous pouvez noter 1998-05-23. Joyeux anniversaire. Il faut mettre combien de chiffres? Ok, alors c'est... Combien? 1998-05-23. Je me suis douté, je me suis dit je vais ouvrir la porte, il va y avoir un truc derrière. 100%. Sarah Room, oh bah hé, j'ai vraiment envie de savoir ce qui s'est passé en plus dans cette chambre. Hein. Daddy, Monsieur Teddy want to play hide and seek with you. Donc papa, Monsieur Teddy, donc j'imagine que c'est l'ourson, veut jouer à hide and seek, c'est genre à cache-cache. Avec toi. Can you bring Monsieur Teddy back to the bed? Bring, je sais pas. Est-ce que tu peux prendre genre Teddy derrière le lit? Love you, papa. Sarah. Oui, bah oui. Oui, back to the bed. Envie de crever. Mom confronte dad on his affairs and the rumeurs. Maman a confronté papa sur des... Ta gueule. Je sais pas, sur des affaires et des rumeurs. Start to quarrel. I'm scared. En gros, elle pense que c'est de sa faute. Attends, mais elle avait quel âge, te gamine, parce que là... Merci, Frost. Merci beaucoup pour ton 15e mois. Comment tu vas? Vous n'avez pas Monsieur Teddy avec vous? Ah non, c'est genre l'emmener dans le lit. C'est ça? Eh hey, mais y a pas à faire des bails comme ça. Hein. Les rumeurs have been spreading in the town for quite a long time. I'm ready. Everyone is concerned about the affair. Neighbor, I'm blaming my mom for his. Attends, je comprends pas tout là. On parle de quoi là? Il y a eu tromperie, il y a eu quoi? J'avoue que le petit tricycle à l'assaut là. Est-ce que tu veux jouer à un jeu? Il va m'arriver une douille. Hein. Transit now.
Monsieur Teddy. Allez, les problèmes. Retenez, hein, les problèmes. Les gars, j'ai pas envie d'y aller. Ça pue la grosse merde. Hein. La télé qui sue. Les gars, je sais pas quoi faire. La baraque, elle est mal agencée. Oh, la bonne idée. On va reprendre tarif. Hein. Je pense qu'il faut que je me cache. Y a rien qui va, hein. Oh, maman s'est enfermée dans la chambre pendant le week-end. Papa n'est pas rentré à la maison. Je me sens tellement seule. Oh, comment je me sens pas bien, les gars. Parce que là... l'ouvrir, hein. Oh là là. La chambre de maman.
Et donne la momie room key, hein. Y'a rien qui va dans cette baraque. Tout le monde se fait retourner la tête dans cette maison. Tout le monde. Y'en a pas un seul qui se fait pas retourner le crâne. Ah bah c'est elle. Hein. Ah ça c'est la mère, elle avait des problèmes psychologiques. Ah par contre moi je le sens pas cette histoire là. Monter là-dedans là, je le sens pas. Soit on monte, soit on passe par là. Ah bah je pense que les deux en fait nous emmènent au même endroit. On va voir. Ouais là je suis dans l'hôpital. Mais attendez, on va mettre... on va combiner. Hein. Ah j'ai une bougie là. J'ai pas envie de regarder moi. Coucou. Y'a quelqu'un? Bon je vais tenter là. Y'a quelqu'un? Attends je peux sauter. Ah. J'y ai cru hein, pendant 2 secondes. J'aime pas ces jeux là, ça me... Oh! Y'a quelqu'un? Non mais... Et là, on va prendre tarif. Là, on va prendre un aller-retour. Qu'est-ce que vous voulez, madame? Arrêtez! Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais je comprends... Moi, je comprends plus ce jeu, hein. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? Oh fuck! On est où là? T'as la moitié des trucs qui te pètent dessus? Tout est parti d'une séance de Ouija. Je le rappelle, hein. Tout est parti d'une séance de Ouija. Y'a quelqu'un? C'est pour les calendriers. Cette année, c'est toujours les tordus. Et si je fais ça, je suis autorisée ou pas? Ah non. Attendez. Non, mais ça va pas être bien compliqué, il y a juste 48 pièces, mais c'est tout. Mais attendez, j'ai une carte. Non, mais les gars, c'est pas possible. Go back to who is to be like in the picture. Back to the wedding day. Should we live happily ever after with you, rumor with you, Sarah. Je le rappelle, I don't speak English.
Encore une photo, ma foi, superbe. Quelqu'un caché dans le chiot, ça c'est sûr. Ton capteur cardiaque a bug. Ah ouais? Ah mince, attendez, je le remets. Attendez, je le remets. Keycard, which I'm using to grant access red security level. Attendez, il est où le red security level? Ça doit pas être compliqué à trouver. Code à 4 chiffres à trouver. On doit trouver un code à 4 chiffres, les amis. Ta gueule. Merci Chasey, merci beaucoup pour ton troisième mois d'abonnement. Comment ça va? Ah, ça, je me suis tendue d'un coup dès que j'ai ouvert la porte. Je me sens plutôt pas mal. Oh là là. On rappelle, à la base, c'était de la Ouija. Je peux pas ouvrir la grille. Il me faut quelque chose pour le moment. Enfin, il me faut quelque chose que j'ai pas, du coup. Oh là 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 là. Merci, Elpidia. Merci beaucoup pour ton Prime. Comment tu vas? Merci infiniment. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, putain, je me suis fait peur en zoo. Excusez-moi, je clique facile. Ça va, Elpidia, merci beaucoup pour le sub. Excusez-moi, je clique facile. Le clic droit, ça a été fatal. Ça a faut arrêter, moi, au bout d'un moment. Ah, le clic droit, ça peut être le clic de trop. Hein. C'est pas facile tous les jours, d'accord, de jouer à des jeux d'horreur. On peut vite être dépassé par les événements. C'est tout ce que j'ai à dire. Par contre, je sais pas par où passer, moi, dans cette histoire. Ah! The Gear! Oh, c'était par où? C'était par là? Pinch yourself in front of the mirror every midnight. Numblegum machin. Bla 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 bla. Donc là, il y a clairement un truc qui vit dans la baraque. Enfin, dans la baraque. Oh là là, moi je sais plus comment appeler cette maison. Hein. Je le savais! Je le savais! Piquem ce temps. J'en ai rien à foutre de faire ma tête de tortue. C'est quoi le truc d'Ormski, je sais pas quoi?
Attendez, c'est quoi? Used to long... Dormitory. C'est quoi dormitory? On l'avait entendu ce mot. Hein. C'est quoi dormitory déjà? Chie dessus, moi c'est plus possible. Un de ces quatre, ça va partir, il va y avoir un accident, ça va partir sur TikTok. Hein. C'est les dortoirs. Mais ça va être très compliqué. C'est pas ça, hein. Il y a des mouvements, sans déconner. Mais j'ai un problème avec les portes et les zooms, je crois. Deux soucis. Porte, zoom. Efficace. Hein. Bah, allez, vas-y, maintenant, il y a des spectres qui se baladent dans la baraque. Allez, on va le suivre. Hein. Mais je la lis où cette cassette de merde? Les voix dans ma tête. Mom condition began to deteriorate. Even after she received ear treatment. Eh ben voilà, c'est toujours comme ça les jeux d'horreur. Tu reçois un traitement et ça finit mal. Hein. On va canner. Pour moi, on va canner. Je veux pas être défaitiste, hein, mais... Tout le monde sait faire tourner le crâne et tout dans le jeu. Les gars, j'ai trop peur. Mais c'est où le truc VHS tape, je sais pas quoi. Vous avez vu un magnéto, vous? Est-ce que vous avez vu quelque part quelque chose pour lire les cassettes? Ah, moi je reprenne l'ascenseur. Peut-être. Eh ben non. C'est où? Y a pas une salle de pause ou quoi? Tellement gigantesque cet endroit que c'est difficile de trouver un truc. En plus mon perso il est amoché, y a du sang autour, ça part pas. Je comprends pas pourquoi. Vous pensez que c'est normal le sang autour qui part pas? Ta gueule! Merci beaucoup Devil Panda pour ton abonnement. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Vous pensez que c'est quand j'ai sauté que je me suis blessée?
Bon, c'est vraiment que c'est ça. Merci Nono Papouille pour les 100 bits. Oui. Ah, ça vient de là? T'as eu des dégâts de chute. Mais non. C'est quand... C'est depuis ce moment-là, j'avais pas calé. Moi, je pensais que c'est depuis que je m'étais fait traverser par la bestiole, là. Les gars, je sais plus où aller, moi. Qu'est-ce que j'ai pas fait comme endroit? Ça se bouge pas, ça? Par où je peux passer? Retourne aux toilettes. Le problème, c'est que c'était où les toilettes? Attends, il y a un PC là, ils ont pas un lecteur? S'il vous plaît. Dites-moi si vous voyez un truc que moi je vois pas spécialement. Merci beaucoup Léane pour ton abonnement. Merci beaucoup, comment tu vas? Attends. Mais je l'ai la keycard justement. Attends, attends. Oh, ça y est, on l'a. Mom become restless irritable. Non mais, où es-tu papa? Ah ça y est. Je pensais à la cassette. Les gars, on va avoir des images. Ouais, voilà, je le savais. On va se prendre des trucs. Ça me fait peur. Bon, s'il y a un code, regardez, hein, c'est vous qui regardez. Hein. S'il y a un code, vous checkez, hein, moi je peux pas. Ça me fait trop peur. Notez s'il y a un code. ...68-52, ok, j'ai vu.
Comme c'est qu'il est où le truc? Là. 68-52, c'est ça, hein? On va se prendre un screamer. Je peux pas courir au cas où si vous posez la question. Mais quoi? Je ne comprends plus rien. Oui, il y a un kit de soins, mais tu peux pas le prendre. Hein? Oh, je... Les gars, je m'en fous d'être de passer pour une nulos à plisser les yeux comme ça. Mais j'ai beaucoup trop peur. Est-ce que tu es là, Sarah? Où es-tu, Sarah? I'm behind you. Mais comme, mais il est con. Hein. Il est con, ce mec. Merci beaucoup, Devil Panda, pour les 300 bits. Mom was discharged from the hospital, but she keep mumbling. We could no longer pay the rent and we're forced to move to live in remote area. I moved to a cabin the wood. The environment is good for here too. It's too peaceful, we can hear the bird peeping. Donc sa mère, elle est dans un dans une cabane dans les bois, quoi. Et du coup, c'est trop bien. Non mais... Les gars, pourquoi vous répétez une date? Pourquoi vous donnez une date, le chat? Ah, vous avez raison. 2005-6-28. Vous avez... Mais attends, mais les cracks, mais les cracks. Oh, la flûtasse. This is your new house. Catch me if you can. Oh là là. Je vais me faire courser. Hein. C'était sûr. What the fuck? Mais what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais on va mourir là. Oh, c'est devenu un Slenderman le bordel. Comment on va canner? Où est-ce que vous voulez en venir? À la base, c'était une partie de Ouija. Non, mais on est mort par contre. Moi, pour moi, 100% notre perso, il est mort.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh là là, le rituel. Oh, le rituel qui a mal tourné. Par où je passe? Bah, ça va être là-dedans. Attendez, laissez-moi allumer une bougie. Spiritus lapinus. Mais attends, la ca... Faut trouver où est la daronne maintenant. Attendez, parce que ça avait parlé de cabane dans les bois. Est-ce que ça, c'est pas les cabanes dans les bois? Oh, quand tu vois la tête du truc, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Peut-être là-bas? Pour couper le grillage, peut-être? Je vais tester. Ah, je suis en train de cut. Ça crame en tout cas. Qu'est-ce que c'est que cette... Est-ce que genre je dois me barrer? Écoutez, on va se tailler. On va se faire bouffer. C'est des vours le truc, hein. Vous entendez? On va crever, hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Les pentagrammes, les trucs. Ah, je peux pas aller plus loin. Parce que j'étais bloquée. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe, hein? Je vous le demande, hein. Ah, et là, on retourne au jour J? Ah! 2017-09-20, Mom has been into Satan all the time now. She keep looking at me mysteriously and mumbling. I look into your beauty. Attends. Attendez, j'ai besoin de votre anglais légendaire. C'est la gamine qui a fait ça en fait, qui a buté la daronne? Attendez. Qui a fait quoi dans cette histoire? Ah, c'est la mère qui veut sacrifier sa fille pour faire... Elle l'a empoisonnée. Donc c'est la fille, elle a empoisonné la mère. Pour faire revenir le père. Ta mère te pense satanique, elle essaye de te soigner. Et la fille a empoisonné sa mère. Bon, le bail. Genre là, faut que je ressorte? Ah bah ouais. Ah mais j'avais pas vu la clé. Il y a une clé en gros, tu sais, je vois pas la clé.
C'était sûr. Mais putain. Mais c'est la fille, ça. Non mais... On va lire un peu parce que j'ai l'impression que... Salut papa, c'est Sarah. N'aie pas peur. Mes lèvres were stitched my mom because I told her about your rumor just like everyone else. Attends. Mes lèvres ont été genre scellées. Genre non, genre en mode cousu, un truc comme ça, par maman. Attends, non, je comprends pas. C'est bien ça? La mère, elle lui a cousu les lèvres? Non mais attendez, what the fuck? Because I told her about your rumor just like everyone else. Parce qu'elle parlait genre des rumeurs à tout le monde, un délire du style? Désolé papa, je voulais pas ça. Seem like sacrificing mom to Satan doesn't work. Elle a sacrifié sa mère à Satan, mais ça n'a pas marché. Peut-être que son sang est la clé de tout ça. Maintenant, je dois y retourner. En espérant que le rituel va fonctionner. Et ben, glad to see you. Ce qui veut dire, les amis, glad, je sais pas. Et ben, c'est pas mal. Donc, la daronne a cousu la bouche de sa fille parce que sa fille parlait des rumeurs concernant sa mère. La petite, paf, elle a sacrifié la daronne à Satan. Et maintenant, elle se dit, bah, mais ça n'a pas marché. Du coup, elle se dit que maintenant, peut-être que son sang va fonctionner. Donc, elle va continuer, en fait, le bordel. Elle va continuer, elle va nous faire une baptiste. Et là, oui, c'est d'accord, c'est... Ravi de te revoir. Eh ben, nickel. Bonne ambiance. Eh ben, putain. Ta gueule. Il va y avoir des merdes. Merci beaucoup Tom pour ton prime. Merci pour ton message, ça fait plaisir. Comment tu vas? C'est le papa? Oh pur... Non mais attends. Ah non, ça c'est le mec de la Ouija. C'est les mecs qui étaient avec nous pour la Ouija. Mais non. Sacrifiez votre mère. Attends. Je crois que je peux avancer. Après, ça va être quoi? Donnez votre autre main? Sacrifiez votre œil. On n'y voit plus rien à la fin. Le bordel, ça va finir en Quasimodo. Votre cœur? Ah bah oui, mais non. Parce que comment j'avance dans le jeu, moi, là? Ah bah oui, mais là, c'est compliqué. Please stay. Stay with me. Let's go home, father. Rentrons à la maison, papa. Attends, on a incarné le père. Oh, on était le père depuis le début. Oh, on était le daron. Une belle famille, hein. Franchement, nickel. Récapitulatif. Non, la mère pensait que son mari l'a trompée. Alors que c'était pas du tout le cas. Elle est partie en hôpital psychiatrique. Elle est revenue. Elle a cousu la bouche de sa fille pour que sa fille arrête de raconter des rumeurs sur sa mère. La mère a voulu buter sa fille, clairement, pour faire revenir le père. Sauf que la petite, du coup, elle a fait un sacrifice et elle a réussi, finalement. Parce que bon, tout le monde est mort, mais le daron avec. Donc le daron est revenu, hein.